Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors en fait c'est pour... Alors comment vous expliquer en fait ça? Je l'ai... Alors je vais vous montrer combien il y a de blocs. Alors au total il y en a 11. En gros il y a tout ça. Alors bien sûr en fait vu que je suis sur un monde plat, en gros bah il y a tout un... En gros voilà, la bedrock est remplacée par un bloc de fer. Alors là je suis en train de construire un laboratoire pour mes tutos à redstone. Ou tutos commandes, comme vous le voudrez. En gros là j'ai commencé à faire un petit ascenseur tout ça. Alors pour ce... Alors attendez, je vais juste mettre le jour. Alors, en fait, c'est parce que ça, je l'ai fait bien sûr avec une commande. Alors, moi, ce que j'ai trouvé qu'on pouvait que la faire avec le command block, car en fait, avec parce que sinon, en fait, ça fonctionne pas. J'avais essayé et ça avait pas fonctionné. Ça me mettait la commande, je sais pas quoi. On se retrouve juste après. Je crée une map et tout. Alors, normalement, je pense que ça fonctionne aussi sur sur les maîtres autres que plat, en gros, infini ou ancien. Voilà. Alors, on se retrouve à tout de suite. Alors, je suis arrivé sur la map, en gros, voilà. Bon, j'ai rien fait. Alors, vous allez bon, vous mettre comme vous voulez. Vous allez dans la barre des cheats et vous mettez slash give. Votre nom, moi c'est pour que ça soit plus court en fait. Et vous mettez commande bloc. Puis après vous pouvez juste faire ça et puis ça va vous mettre que vous en avez un. Bon voilà. Ensuite vous allez dans votre bord. Oui j'ai oublié de prendre un nouveau skin. Bah j'ai oublié de prendre mon skin d'habitude. Car en fait ça c'était pour... C'était pour... Je sais plus quoi. C'était pour une map où en fait je suis resté tout le temps avec, en gros voilà. Bon, bah, vous pouvez mettre un bouton. En gros vous entrez dans la commande là, vous touchez à rien d'autre. Hein. Bon, vous pouvez toucher à ça en fait. Alors pour ceux qui savent pas à quoi ça sert. Alors bah par exemple on va mettre bonjour. Juste dans ma barre, donc. En gros voilà, et ça va vous mettre bonjour. Bon voilà. Alors j'explique un petit peu, je fais un petit résumé de comment il fonctionne. Alors attendez, je vais vous faire... Je fais une ellipse, j'ai le temps de préparer tout un truc pour vous montrer à quoi ça sert. Alors par contre... je vous montrerai. En gros, à tout de suite. En gros, voilà. Alors là en gros bah là dedans j'ai mis slash time set day là slash weather clear. En gros je vous explique, ça c'est le command block et en fait ça va faire la suite. En gros par exemple le mieux aussi c'est de faire, alors pour que ça fasse la suite faut que les flèches suivent tout simplement. Alors par exemple moi j'avais commencé sur mon portable à faire une map à moitié Tony Stark Iron Man. En fait j'avais mis slash SY, puis après vous pouvez faire bonjour et en plus attendez c'est pas terminé, moi faut que je fasse ça par exemple 9 et ensuite je fais bonjour à tous. Désolé pour mon truc de ponctuation, moi je suis pas très fort à ça. Bon voilà. Là je vais mettre jour slash. Non pas besoin de faut pas mettre de majuscule. Slash et on va mettre. Non merde, c'est con. 9 espace. Puis on va faire
Bah, pas vraiment. On se retrouve pour un nouveau tuto. Et en gros, comme déjà mettez un bouton, le mieux c'est de faire ça. Et en gros, vous faites. On commence à faire bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto. En gros, ça permet de faire la suite. Alors là, en gros, bah là. Alors attendez, ça c'est Slash Game. Regardez. Ah oui. Là, je vais mettre. Ah oui, voilà. En gros, ça va être le jeu le plus proche. Oh, quel con! Là, je suis obligée de mettre aussi. C'est pour ça que j'ai dit, oh, quel bip. Parce qu'en fait, là, je suis en game. Mais là, en gros, je peux pas rentrer une commande. Bon, voilà, là, j'ai rien mis. Alors, ça, en fait, moi, j'avais testé. Alors, ça, par exemple, moi, je mets slash SAY. Bonjour encore. Et en fait, bon, moi, dans ce que j'ai compris, en fait, ça fait répéter. C'est tout. Bon, alors pour enlever, si vous en avez marre d'à chaque fois de voir tout ça, cliquez sur caché. Et par exemple, alors pour le mode survival, 5 ça mute rien. Bon, voilà. Bon, là j'ai mis le temps. En gros, bah. Où est-ce qu'il est le soleil de... Ah, il est là. Bon, voilà. En gros, bah là c'est. Voilà, en gros, il est toujours. Je sais pas vous. Après, ça, je sais pas à quoi ça sert. Voilà. Alors, pour faire ce que je vous ai dit, à une map personnalisée à peu près, vous faites. Bah, moi j'ai dans les symboles, slash. Là, vous mettez F-I-L-L. Espace. Après, vous mettez ce que vous voulez, je sais pas. Je mets au pif 4, 6, 5. Là, vous mettez ce que vous voulez encore. Alors là, par contre, évitez de passer de chiffres. Ou un chiffre, ça serait super. Bon, vous faites comme vous voulez, mais ici, je pense pas que ça fonctionne les 3 chiffres. Donc, on va mettre 34. En gros, ensuite, là, vous remettez. C'est le même que en gros pas avant le 34 mais en gros 465 vous le remettez 465 ou je crois que vous pouvez aussi changer par exemple bah on va mettre allez 16 voilà 216 je mets au pif puis ensuite vous faites espace là vous allez dans moins vous mettez encore un chiffre en gros bah moins en gros là ça sera remplacé il y aura non, ça c'est pas ici, c'est en gros. Bon, vous mettez. Alors par contre, évitez d'aller au-delà de 2000. Parce qu'après, ça fait laguer, c'est chiant, faut attendre et tout. En gros, moi je vais mettre 10. Non, 10. Et là, en gros, par contre, c'est là que vous allez mettre combien de blocs vous voulez que ça soit de hauteur. Ouais, en comptant le bloc de pétrole, bien sûr. En gros, et sans mettre moins. Moi, je vais mettre 9. En fait, ça va me rajouter 1. En gros, ça va compter. Talala, celui-là de la benrock, voilà. En 9. Faites espace, moins encore. Et puis là, vous mettez encore 54, par exemple. Et sans oublier. Vous revenez et là en fait vous mettez le nom en gros moi et bah, par exemple on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre bah, des iron blocks merci.
En gros, voilà, moi c'est une chemise. Et puis voilà. Ah! Aussi, j'ai oublié. Si ça, parce qu'en fait, ça va arriver et ça va passer par-dessus normalement. Moi, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça m'a toujours fait ça. Est-ce que ça s'est activé? Oui, ça s'est activé. Vous voyez là-bas? Ça arrive. Si vous voulez vous garder le compte qui est dessus, ça sera plus sûr. Putain, j'entends de l'ail. What the fuck? Mais je suis coincé. Maman! Tu vas mourir. En gros, vous voyez qu'il a 10 blocs en l'air. Il est en l'air. Parce que j'ai fait moins 10 en gros. Voilà. Ou je sais pas quoi. En gros, là, il est en l'air. C'est joli, il est en l'air. Il passe au-dessus de moi. La vie est belle. Il a même pas terminé de charger. Bon, t'as bientôt terminé de charger toi ou quoi? Parce que tu me fais laguer un petit peu. Bon, je finis puis j'attends qu'il soit terminé. Et en gros là ça vous met mis en gros ici là papa mais. Bon voilà. Bon après si vous voulez retourner à la surface, hein, ça vous creusez. Mais moi j'aurais beaucoup à creuser. Ou ça, ben vous allez, mais. Alors je vais essayer de creuser. Voilà! La lumière! La liberté! Elle veut pas se transformer la seule là, pareil en plus qu'il pleut. Bon bah. C'est parfait, j'avais tout prévu. C'est lequel? C'est. Toi, voilà. J'ai un redresse un petit peu et on peut y aller. En gros, voilà. Et là, vous avez votre petit plan de travail. Ou assez gros plan de travail. Par contre, pour vous dire, alors attendez, j'ai juste. Alors, je vais mettre un commande bloc pour bien situer. On va aller juste. En gros, voilà, c'est limité. Tout ça est limité. En gros, bah, maintenant, moi. Voilà mon commande black. J'ai pas dit mon commande black. On m'a dit commande bloc. Moi, je sais pas, mon. En tout cas, voilà. En gros, voilà. Non! En gros, alors aussi, je vais vous faire un petit slash TP. Ce que j'ai utilisé, alors on va faire, alors. Non, pas obligatoirement, tiens. En gros, on va, je vais mettre le command block ici. Je vais mettre un petit bouton. Bien. Maintenant, vous faites slash TP. Vous mettez AP, en gros c'est expliqué juste c'est légendaire. AP, genre le plus proche. Et genre la hauteur. Je sais pas comment on prononce ce truc en fait. Cibler tous les joueurs. Cibler toutes les entités. En gros ça j'ai pas compris les entités. Voilà, en gros voilà. Ça doit être pour les mobs. Truc du genre. En gros, bon, voilà. On va rien faire de plus. Vous allez en fait alors moi je vais mettre juste et je vais le renommer tuto TP. Faut remonter. Vous alors vous mettez où vous voulez et puis là vous faites spawn point, bah ça je spawn point et en fait là ça va vous mettre 170 bah votre nom en gros moi c'est 170 30 10 170
36, 10, voilà. Alors, 166, 36, oui, et j'ai déjà tout perdu niveau. Alors, 170, 36, 10, ok. En gros, on va faire 170, 36, 10. Alors, des fois, vous aurez peut-être des moins en face de votre, du dernier nombre, en gros, là où je suis, où je mets le dernier, comme en gros, voilà. En gros, voilà. En gros, ici. Merde. Vous mettez, cliquez sur le bouton. Youpi, je me suis tépé. Ça fait le bébé. Et par exemple, je sais pas. On va mettre alors, on va mettre ici comme ça. Vous allez mettre en... Là, il n'y a pas besoin de mettre. Vous mettez slash TP AP. Là, vous descendez. Vous mettez où vous voulez que vous voulez TP. En gros, moi, je vais mettre le slash point de point. Et en gros, là, 173, 5, 10. Ok. 173, 5, 10. 173, 5, 10. 173, 5, 10. Un petit sneak. Un petit bouton. N'importe lequel, bien sûr. Et ça fonctionne aussi avec les plaques. Alors, attendez. Alors, pour ceux qui ne croient pas, je pense que vous me croyez. J'ai pas une de tête à mentir comme. J'ai jamais menti sur vous, pour vous. Oups! Mais bon, vous voyez que ça fonctionne. Et que là, en gros, vous pouvez faire la même chose. En fait, j'ai pas besoin d'enlever le bouton. Voilà. Alors évitez que ça soit un bloc. Parce que par exemple, quand vous arrivez et que vous avez un. Oh. Voilà, moi c'est bien arrivé. En gros, bah voilà. Alors attendez, on va se faire un petit TP encore. Chippie. Bon voilà. En gros, et bien. Je m'amuse à sauter sur les petits trucs à TP. En gros. Et bien, on va se laisser ici. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, à bombarder les pouces bleus. Ça, c'est le plus important. Après, c'est s'abonner. Et puis, le moins important pour moi, c'est se partager. Et puis, le mieux aussi, c'est de commenter.